Salut, dans cette vidéo, je vais vous montrer une technique qu'utilisaient beaucoup B.B. King, mais aussi beaucoup de bluesmen, pour développer donc leur improvisation. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez vous abonner tout simplement en appuyant sur le petit bouton s'abonner, et également sur la cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos. Sachez également que si vous êtes déjà membre d'une de mes formations gratuites ou payantes, les backing tracks et partitions, lorsqu'il y en a, sont directement ajoutés donc, sur votre espace membre. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez donc avoir accès donc, à ces backing tracks simplement en allant donc, sous le lien, dans le lien qui est sous la vidéo. Dans cette vidéo, j'ai choisi donc, de vous jouer un morceau donc, de B.B. King, To Hell Is Gone. C'est un morceau qui est en si mineur. D'ailleurs, en parlant de backing track, je me suis fortement inspiré donc, pour créer le backing track d'une vidéo, d'une super vidéo en fait, qu'a sorti Yvon de la chaîne Jazz et Guitare. Alors, le titre de la vidéo, c'était Les 2-5-1 dans une grille de blues mineur, quelque chose comme ça. Et en tout cas, je vous conseille d'aller la voir, car c'est une super vidéo. Et donc, moi, je me suis bien amusé donc, pour créer le backing track. Dans cette technique, donc, le morceau est en si mineur. La position, bien sûr, pour improviser, pentatonique, position numéro 1, 7e case. Donc, je pense que maintenant, tout le monde la connaît. Si vous ne la connaissez pas, eh bien, je vous invite à rapidement aller la prendre. B.B. King utilisait donc une position qui n'était pas la position numéro 1. Il utilisait souvent le haut de la position numéro 2. Donc, je vais vous la jouer intégralement. Ça fait 10e case, 12e case. Ensuite, on est en 9 et en 12e case, sur la corde de La et de Ré. On se retrouve sur la corde de Sol en 9e case et en 11e case, et on finit, donc 10e case et 12e case. Voilà, donc nous, on va se concentrer sur la fin de la gamme. L'idée, c'est d'improviser autour de la fondamentale. Donc on va créer des plans et on va systématiquement revenir sur cette note. Donc l'idée est intéressante puisque vu que c'est très simple, ça nous permet en fait d'utiliser énormément donc d'effets de jeu et de se concentrer uniquement sur l'expression quoi. En plus de ça, ça crée une tension, et cette tension, on peut la résoudre en fait dans le dernier cycle du blues. Donc là, moi j'ai choisi de revenir sur la position numéro 1. Alors bien sûr, comme d'habitude, vous le savez, je cible toujours mes notes. Là, on est en si mineur, et quand je joue ce plan, eh bien je cible... Donc, en fait, l'arpège. Hein. Je joue également ce plan. Donc, je termine également donc, sur la fondamentale. Et je joue également un plan, je crois que c'est Albert Collins qui fait ça. Voilà, dans le morceau « I play the blues for you ». Voilà, donc en fait, si vous voulez donc, improviser... sur du blues, vous devez écouter beaucoup de blues et n'hésitez pas à relever quelques plans comme ça qui vous intéressent et toujours les analyser, au moins savoir sur quel accord il est joué et pourquoi il sonne bien quoi. Si vous avez aimé la vidéo, eh bien vous pouvez laisser un petit pouce bleu, vous pouvez également laisser vos commentaires en dessous de la vidéo. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne gratte. Salut !